Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Je veux plus y aller. Mais tu veux plus aller où? J'ai pas compris. Au collège. Tu veux plus aller au collège? Non. Bon, allez, sors de ton trou là. Non. Lily Rose, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. Moi, je peux pas t'aider sinon. C'est pas possible. Bon, salut à tous les amis. On espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. La rentrée, c'était il y a 2 jours. Là, Lily Rose, elle a fait sa première vraie journée au collège. Voilà, en 3e. Et depuis qu'elle est rentrée, bah regardez dans quel état elle est. Elle arrête pas de pleurer. Lily Rose, il faut que tu nous racontes ce qui s'est passé. Je peux pas. Tu t'es fait embêter au collège? Qu'est-ce qui s'est passé? Pire que ça. Comment ça, pire que ça? Ils se sont tous moqués de moi. Ils se sont moqués de toi? Ils m'ont jeté du yaourt dessus à la cantine. Attends. Ils m'ont donné des surnoms. Attends, mais pourquoi tu pouvais pas le dire plus tôt? Là, Lily Rose, t'es rentrée du collège, on t'a même pas entendu parler. T'as jeté ton sac dans le salon, elle est partie en pleurant dans sa chambre. Ensuite, elle a fermé sa chambre à clé, on pouvait même plus la voir. Lily Rose, si ça commence comme ça, cette année, ça va pas le faire. Il va falloir que tu nous parles. Bah ouais, mais... Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, déjà, lève-toi, parce que tu vas pas rester comme ça. À la cantine, ils t'ont jeté du yaourt dessus. Oui. Et c'était quoi le problème? Pourquoi ils ont fait ça? Bah parce qu'ils se moquent de moi, de mon bonnet, ils m'appellent Madame la Tongue. Madame la Tongue? Mais pourquoi? Mais à cause de mes chaussettes. C'est quoi ça, Lily Rose? Lily Rose, c'est quoi ça? Mais c'est mes chaussettes. Mais t'as vraiment mis ces chaussettes là au collège? Avec des chaussettes. Non mais les amis, non, je devrais pas rigoler parce qu'il y a vraiment des gens qui l'ont embêté. Mais bon, montre-moi ça. En fait, pourquoi t'as mis ces chaussettes là? J'ai mis des bottes transparentes du coup. T'as mis des chaussures transparentes et t'as mis ça comme chaussettes? Et ils se sont moqués de quoi d'autre aussi? De mon bonnet, de mon vernis. De ton vernis? T'as mis du vernis à l'école? Bah oui. C'est une blague, Lily Rose, c'est interdit. Oh, c'est pas possible. Bon, les amis, ça n'excuse rien. Même si quelqu'un s'habille bizarrement à l'école, il faut pas se moquer de lui parce que bah franchement, c'est pas sympa. Regardez dans quel état elle est. Et de là à lui jeter en carrément. Fait, il est beau mon bonnet, elles sont marrantes mes chaussettes. Ouais, bon, ton bonnet ça va encore, mais tes chaussettes. Mais bon, elles sont trop drôles. Moi, je pensais qu'ils allaient trop aimer. Ouais, bah non, ils vont pas aimer. Hein. Et même tes ongles, c'est interdit de mettre du vernis à l'école. Demain, tu vas faire quoi? Tu vas venir avec, j'en sais rien moi, avec un pantalon en forme de chocolat. Tu vas venir avec. Un t-shirt en forme de kiwi, non mais qu'est-ce qui... Non, mais... Ah bah Peppa Pig justement. Justement je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a du monde qui toque à la porte et puis qui s'appelle Lily Rose. Elle est où là Madame Tong? C'est là qu'elle habite. Non. Quoi? Oh non c'est pas possible. Va leur dire que j'habite pas là. Va leur dire que c'est pas, bon, que c'est pas moi. Lily Rose, c'est des gens de ton collège. Mais attends, mais comment ils ont trouvé? C'est passé quand même. Attends on arrive. C'est des gens du collège qui sont devant la porte. Mais oui, mais comment ils ont mon adresse? Je leur ai jamais donné. Mais ils ont dû te suivre jusqu'ici. Ah, c'est pas possible. Non mais franchement, là les amis, on va faire une vidéo, c'est stop au harcèlement là, parce que vraiment, mais ça tourne mal son truc. Déjà, bon, hier on en a pas trop parlé, c'était la rentrée de Lily Rose. Ouais. Ça s'est moyennement bien passé parce qu'elle a aucun ami dans sa classe et il y a sa pire ennemie qui est dans sa classe pour le coup. Elle a commencé à se moquer de Lily Rose. T'as déjà eu plein de problèmes avec ta pire ennemie l'année dernière. Oui. J'ai pas envie que ça continue. C'est quoi ça? Bah c'est le stylo que j'ai ramené. Non mais t'es pas allé au collège avec ça? Bah si. T'es allé au collège avec un stylo en forme de baguette? Oui. Et t'as ramené même le stylo coup de poing comme ça? Oh, c'est... Non mais tu m'étonnes que les gens se moquent de toi, Lily Rose. Bon, mais c'est bon, j'ai le droit de faire ça. C'est pas une raison, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Pire en pire, je vais aller ouvrir et puis je vais leur demander ce qu'ils veulent. Hein, parce ah que... ouais, non mais surpris. Non, mais attends, écoute, déjà, prends une photo de qui est devant. Prends une photo d'eux et on ira les dénoncer demain au directeur, ok? Au directeur de l'école parce que c'est pas normal. Et on va appeler leurs parents après. Dis-nous si c'est des gens qu'on connaît de l'année dernière. Oui, parce que l'année dernière, il y a déjà un petit groupe de peste qui s'amusait à embêter Lily Rose et ses amis. Donc on en avait déjà marre. Et bon, effectivement, Lily Rose, elle vient à l'école avec des affaires bizarres, mais c'est pas une raison pour l'embêter. Hein. Chacun devrait être libre de s'habiller comme il veut. Je veux changer de collège à partir de la semaine prochaine. Tu veux déjà changer de collège? Oui. Et demain tu vas en cours par contre? Non. Demain tu veux pas aller en cours? Non, je veux pas y aller, c'est bon, j'en ai marre qu'on m'appelle Madame la Tongue. Bon, même attends, les Madame, profs, même Madame les... la Tongue, regarde ce que t'as mis même comme les chaussettes. Profs se sont moqués de mes stylos. Même les profs? Ouais, bah en même temps les stylos, regardez les amis, elle a un stylo en forme de flûte, elle a un stylo en forme de pchit-pchit là, regardez. Non. Là ça marche pas, il y a un bouchon, mais c'est un stylo qui peut faire des pchit-pchit. Regardez. C'est n'importe quoi, quelle idée de prendre ça à l'école?
Tu prends ça à l'école, c'est sûr que t'es catalogué le premier jour. Tous les profs vont voir que ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, j'y suis allé, j'ai ouvert la porte. Bon, il y en avait 5-6 élèves qui étaient 5, là. 5-6 élèves. Je suis sûr que c'est le groupe de. C'est les personnes là qui m'ont jeté le. C'est le groupe de peste, je suis sûr. Alors, ils sont venus, on s'est expliqué. Ils sont venus s'excuser, Lily Rose. Ouais, ils sont venus s'excuser. Ils s'excusent. Ouais, bon, c'est vrai ce qu'on a dit. À mon avis, ils se sont excusés parce que c'est toi qui as ouvert la porte. Mais je suis sûr que si c'était Lily Rose qui avait ouvert la porte. Ils m'auraient encore jeté du yaourt, ils m'auraient appelé Madame Latongue. Ouais, parce que ce groupe de peste, ils ont quand même jeté un yaourt sur Lily Rose. D'ailleurs, t'as fait comment? T'as dû aller aux toilettes pour essuyer, etc. Bah, j'ai dû changer de t-shirt carrément. Ouais, ils m'ont dit, ouais, on a jeté du yaourt, on s'est moqué de ses chaussettes. Mais bon, c'est parce que, bon, on a fait ça amicalement, hein. Ouais, amicalement, bien sûr, t'as vu dans quel état elle est. Ouais. Là, pour moi, ça tourne au harcèlement, c'est hors de question que ça recommence. Demain, on promet, on va voir Lily Rose et on s'excuse. On va s'excuser. Ouais, ouais, bah écoute. J'ai pas envie qu'elle s'excuse. Je m'en fiche. Là, je vais appeler le directeur. Je vais demander à ce que Lily Rose change de classe parce que si c'est pour qu'elle soit toute une année avec des pestes. Mais non, mais les pestes, elles sont pas toutes dans ma classe, hein. Donc ça se trouve, si je change de classe, je vais aussi me retrouver avec une. Tu vas me donner le nom de toutes les pestes et je veux que tu sois dans une classe sans toutes ces filles-là, ok? Ce qu'on va faire, bah, demain, déjà le directeur et puis et les parents de ces filles-là aussi. Bon, mais donc l'essentiel, c'est qu'elles se sont excusées et j'espère que c'est sincère quand même. Hein. Ouais, bon, allez, t'inquiète pas, va vérifier qu'elles rentrent pas dans la maison quand même. J'ai fait mal. Oui. Bon, les amis, moi je vais appeler le directeur. Heureusement, j'ai son numéro de téléphone parce que l'année dernière, on a dû l'appeler plein de fois avec tous les problèmes qu'il y a eu avec Lily Rose. Bon, allez, hop, et on va appeler aussi. C'est quoi les noms? Avant, c'est quoi les noms des pestes? Bah. Lila. Ouais, Lila, elle, c'est ta pire ennemie. Agathe. Ensuite, Lila, Agathe. Pénélope et Orphée. Ok, bon, on va les dénoncer, on va appeler ça tout de suite. Hop, c'est parti. Oui, allô? Ouais, oui, allô, Monsieur Bateau, oui. Oui. Je vous appelle, oui, bah oui, c'est le frère de Lily Rose, vous avez mon numéro. Oui, bah non, ça, la rentrée, c'est pas bien passé. Apparemment, il y a Orphée, Pénélope, Agathe et Lila. Non, bah oui. Ah, ok, vous avez vu. Ouais, le yaourt à la cantine, comme par hasard, sur le t-shirt de Lily Rose, et elles se sont moquées de Lily Rose toute la journée, et là, elles sont même venues devant chez nous, soi-disant, pour s'excuser. Ok, d'accord, ça marche, je la préviens. Bon, Lily Rose, apparemment, ça va, il était au courant. Ouais, mais pourquoi il a rien fait? Bah, il y a des surveillants qui l'ont vu, mais il comptait en parler demain. Donc apparemment dès demain elles vont se prendre chacune 2 heures de colle. Et en plus de ça tu vas être changé de classe pour aller dans la classe avec que les bons élèves, ah, etc. Ouais. Trop bizarre. Bon, par contre cette classe c'est 2 heures de plus par jour. Quoi? C'est une blague? Bon, j'espère que t'es contente quand même. Bah... Bon, c'est bon, j'ai appelé le directeur. Ouais, bon, il n'y a personne, ils sont partis. Bon, et alors qu'est-ce qu'il a dit? Après, je vais ça appeler... va. Elle m'a donné les noms, on va appeler les parents aussi. Demain, elles vont se prendre 2 heures de colle chacune, t'inquiète pas, ça va bien se terminer. Qu'est-ce qu'il a dit, directeur? Bah oui, il savait, les surveillants l'ont prévenu. Bon, d'accord, écoute, donc ça s'arrange alors. Les amis, je pense qu'on va laisser Lily Rose tranquille parce qu'elle a quand même 2-3 devoirs à faire. Ouais. Et là, on espère que ça ira mieux. De toute façon, vous aurez des nouvelles dans les prochaines vidéos. On va certainement faire d'autres vidéos sur le collège de Lily Rose. Bon, allez, lève-toi quand même. Bah, dis Lily Rose. Pour dire au revoir aux abonnés. On espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Surtout qu'en ce moment, on vous fait plein de vidéos. Et on se dit à la prochaine pour un truc un peu plus joyeux, j'espère. Bon, allez, ciao. Moi, j'aime bien ce bonnet.